Bonjour à tous et bienvenue, c'est les fermiers du dimanche. Aujourd'hui, on vous fait une petite présentation de map. Je suis en compagnie de Pacalito. Salut tout le monde. Donc, on va vous présenter la map Angel Nair Map, pardon. Donc, eh ben, on va vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va monter dans nos petits véhicules. Le petit véhicule, ouais, Dans nos petits effectivement. véhicules. Hop. Donc là, on démarre, on est sur le corps de ferme. Très beau corps de ferme avec un petit étang au milieu. Pour commencer la partie, vous avez deux moissonneuses, trois ou quatre tracteurs, quelques bennes. Deux tracteurs, je crois, Non, non, il y en non? a un peu plus, j'en ai vu plus tout à l'heure. Ah, d'accord. Alors, Voilà, donc là, vous avez les poules. Là, ouais. vous avez le gros silo avec la récupération au milieu. Et Ah, puis surtout le... Oui. t'as vu là derrière, il y a une mare et avec une petite descente sympa qui permet de récupérer la flotte. Ouais, pour récupérer l'eau Ouais. avec une benne. Donc là, ouais, j'étais parti. Donc là, c'est le silo avec la récupération et surtout l'affichage. Hop là. L'affichage de vos stocks. Hop, on va prendre à droite là, tac. Donc là, vous avez encore du stockage de véhicules à droite. Vous avez deux silos d'ensilage. Hop là. Oula. Ça braque rien ces engins. Toi, il y a encore un tracteur là. Ah, je les avais pas vus celui-là. Des silos encore. Ah, t'as même une petite ensileuse. Ouais. Des silos C'est pour les cool. grains. Ouais, après, est-ce qu'ils sont pas en rapport, les silos? Peut-être. Ah, peut-être. Ouais, peut-être qu'ils augmentent au fur et à mesure que t'en mets dans les... Là-dedans, vous avez une stabule avec la machine à paille, la broyeuse à paille. Donc la Elle a l'air stabule. durable en plus. Je pense pas. Je sais pas. C'est vrai? Bah peut-être. Je sais pas parce Ah, que vu qu'il y a le tapis qui est à droite, ouais, je ça sais se trouve pas. c'est automatique. Bon. Bon, bah là, il y a La la cuve bassine à à eau. eau. Et ici, vous avez, hop là, si j'arrive à prendre la porte, Les petits tapis roulants pour récupérer le fumier, ouais, le c'est pas mal. fumier. Et là, vous avez, ah tiens, un mur, Attends, bah un je suis mur et un derrière. Pascal derrière. Ouais. C'est la stabule des veaux. Non, tu peux dire la stapule. La stapule, ça passe bien. La stapule, Ah. la stapule des veaux. Là, il y a la machine de traite des vaches. Donc là, ça a l'air d'être de la vente automatique, vu comment c'est Encore des combiné. stockages. On n'est pas passé là-bas derrière. Hop là. On a raté un truc. Ah, il est de l'autre côté. Ah Hop là. oui. Bon, on coupe à travers. Hein. On peut, on a des Hop. tout-terrains. Et là, vous avez les cochons. Les cochons. Ouais, là-bas c'était les veaux et là c'est les cochons. Ou les cochons, ça dépend, suivant ce que vous prenez. Ouais. Et puis là il y a les graines aussi. Oui, il y a le stockage Et... de... Enfin, le stockage. Pour le pulvée, pour Ah. Bah les graines et le Les pulvée, ouais. semoirs. Et puis Voilà. là, remplir les engraissements. Ouais. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous mets juste un petit coup la map pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même une grande map, hein. Il y a une vingtaine de champs, vingtaine de grands champs. Hop, donc on va aller faire le tour de la map. Allez, c'est parti. Hop. Ah mais c'est que ça pousse ces petits engins. Ah ouais, je suis à 125. Ouais, pareil. Par contre, tu te demandes si tu vas t'arrêter quand même. Ça braque pas beaucoup non plus. Ah, puis ouais, alors tous les champs s'achètent avec des espèces de petits panneaux de propriété qui sont en façade. Ouais, hop, je vais vous montrer vite fait. Tac. Un petit panneau. Voilà. Quand on fait R, tac. Ça nous permet d'acheter. Allez, 83 000. Bon, vu la taille du champ, ça Hop. va. Tac. C'est reparti. C'est pas excessif, parce que Non, c'est regarde, pas le champ est excessif, non. balèze quand Ouais, même, le quoi. champ est balèze. Il y a Hop. de la forêt. Je vois de la forêt là-bas dans le fond. Il y a peut-être un peu de forêt, ouais. Bah, vu qu'il y a une usine.
Ils ont l'air d'en avoir mis tout autour en fait, déjà pour cacher Pour cacher un petit peu les extérieurs, ouais. Ouais, le décor, donc ouais. Là, on avait dit, il me semble, un mur. Décidément. Si tu comptabilises tous les murs, ça c'est de la présentation de map. Alors ici, on a un mur, et là, on a un autre mur. Non, là, c'est la vente de lait, je pense. Parce que vu que ça s'appelle Milk, Milch. Ah, tu crois que c'est la vente de lait? Ah, ouais, je pense, ouais. Ça a l'air de venir chercher automatiquement, non? Bah, peut-être. Après, je vois pas de trigger par terre, donc... Bah ouais, c'est ça, ça vient chercher automatiquement. Mais je pense qu'ils ont juste mis l'usine pour... Ah, j'ai cru qu'il y avait un passage, ils ont mis une barrière. Les ils se sont dit, Pascal va passer par là. La barrière qui tue. Et je vois pas de trigger, donc à mon avis, je pense, ouais, ça doit être automatique. Non, même au niveau de la ferme, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas l'air d'y avoir de... Là, maintenant, ça, c'est une barrière. Voilà. C'est un petit mur. Et ça, c'est un mur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il braque rien, ce machin. Moi, je sais pas, j'ai pas de soucis avec. On va prendre par là. Hop là. Au volant qui braque rien. Donc, encore une petite mare. Ah, stop. Hop non, là. C'est pas n'importe quelle petite mare. Il dit stop et il file tout droit. Ouais, ouais, c'est pas n'importe quelle petite mare. C'est une mare avec un pêcheur et un canard. Hop là. Et ça compte. Ah oui. Quand même. Le pêcheur et le canard. Ah, il y a même des poissons. Hein. Et des poissons? Il y a des poissons. Ils sont où les poissons? Bah, ils sont ah, dans oui, le lac. Et puis ils sont en déplacement en plus. Ah, je te cherchais. C'est pas n'importe quel poisson? Non, des gros poissons. Et il y a d'autres canards par là. Il y a un gros poisson. Ça donne envie de piquer une tête. Ah, ouais. Tu nages un peu comme une pierre. Un peu. Bah, j'ai beaucoup mangé. Oui, bon. C'est lequel le mien? Hop. Bon. D'accord, c'était celui-là alors. Je sais plus, moi, non. Ça ressemble tellement. C'est quoi ça à gauche là? À gauche quoi? Ah d'accord, donc ouais, non, bah c'est le bâtiment bleu, mais. Alors ouais. Là, c'est le BGA qui t'a acheté. Donc on hein. peut pas rentrer dedans. Donc il y a 1 165 000. Attends, je vais arrêter mon véhicule. Ça va vite de nous péter les oreilles. Ah, pourquoi je peux pas l'arrêter? Normal. Non, hop. C'est le mien qui est en route. Donc là, on arrive dans le BGA. Donc là, bah, vous avez la balance, hein, classique. Hop, allez, combien je pèse? Ah, je pèse pas. Non, il prend pas ton petit poids en compte. Donc là, vous avez du stockage de véhicules. La petite citerne à essence. Vous avez 1, 2, 3, 4, 4 silos. Ouais, ils sont bien faits avec l'herbe au milieu, comme ça. Ouais, c'est sympa. C'est sympathique. Ah, puis c'est sympa les bunkers de déchargement, t'as vu? Ils sont... Ouais. Ça fait Oula. Qu'on peut faire ouais, des... Ils sont tellement bas que je suis rentré dedans. On peut venir avec une remorque et directement baigner dedans. On peut venir directement cool. baigner dedans, ouais. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt cool. C'est assez grand, pour ceux du classique. Hein. Ouais, c'est un silo de VGA, quoi. Enfin, ils ont l'air d'être assez massifs, quand même. Hop, hop, hop. Là, on récupère le lisier. Ouais. Petit BGA, quoi. Sympa. Petit BGA sympathique. Ah, puis c'est cool de devoir l'acheter. Bah, ça donne des objectifs, quoi. Ouais. Ah, le bip bip au reculage. Ah, hop. Ça, c'est un caillou. Ah, là, il y a l'air d'y avoir un truc aussi. Qu'est-ce qu'on a, là? Un arbre. Ouais, on va après les murs, mais fais-nous les arbres. c'est quoi ça ici? Truc devant. Ah, patate ou betterave, ouais, c'est ça. Ouais, c'est possible. Ça va être un truc de vente. Ou un stockage personnel, peut-être. Non, je penserais plutôt à un truc de vente. En même temps, on n'a pas vu de stockage personnel de patates et de betterave à la ferme. Non. Non, mais là, ça ressemble bien à la patate. Ouais, en même temps, il y a une balance ici. Donc, je pense que c'est plutôt un truc de vente. Ouais, ça doit être un truc de vente. Non. Une pataterie ou... Ensuite. Alors, attends, voir. Ensuite, alors, soit pendant qu'on est là, on va tout de suite voir au milieu de la map. Allez, hop, on va prendre un petit peu des chemins de terre aussi en même temps.
Oh, sympa ce petit chemin. On t'attaque, hein? 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 T'essayes de me semer? Ah! Et ça, par contre, ça ressemble à une scierie, ça. Non? Donc il y a du bois un peu partout. Bah ça y ressemble, ouais. Une balance aussi. Ah non, là, ils ont encore des patates et des betteraves. Ah. Ouais, patates et betteraves. Donc il y en a peut-être un des deux qui sera un stock alors finalement. Bah, peut-être, ouais. Ce qui est Ouais. marrant, c'est que ouais, il y a un truc de fertilisant. Bon, c'est peut-être à nous ça. C'est possible, ouais. Il y a juste des silos. Ouais, c'est peut-être à nous ça. Peut-être. Hop. À voir. Tac. Alors, attends, je remets un petit coup la map. On va refiler par là. Hop. Dur, 125 dans le chemin de terre, ça bouge pas. C'est assez stable, je trouve. Hop, hop. Alors ça, c'est pas dans la map, hein. Le Buggy Jeep, c'est un truc qu'on a été chercher pour cette petite Ah ouais, le Jeep présentation. là, oui, c'est un petit mode qu'on a mis en plus. De toute façon, on vous mettra tous les liens des mods dans la description de la vidéo. Là, il y a un truc de vente de copeaux, ça semble bien une chaufferie. Ouais. Et là, il y a un autre trigger ici. Hop. Ça serait bien pour les palettes de bois, je pense. Par là. En même temps, si c'est des palettes, faut venir les ramener ici. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ça peut être du bois, ça peut être ouais, ça peut être tout là. Mais bon, le truc s'appelle planche machin, je sais pas quoi. Ah ouais. Ou wool fabrique, donc je pense que ça doit être un truc comme ça. Hop là. Ça c'est impeccable. Ça c'était un bruit de volant visiblement. Oui. Ou alors une braguette. Non, Genre non, un truc dans c'est un le. volant. Ça peut faire une imitation de braguette. Ça peut. Hop, D'ici qui sont là. là on a, je crois, l'abattoir, si je dis pas de bêtises. Et la Ouais, c'est ça. boucherie. Et les petits cochons et les petits veaux. Eh bien, le petit cochon! Eh bien, le petit cochon! Ah, ils sont mignons, ils vont bientôt crever, mais ils sont mignons. Ouais, bah ouais, un beau saucisson. Ouais, faut passer par là. ça, c'est un arbre. Ça, c'est une barrière. Hop, là, on va filer à droite. Donc des grands champs quand même, hein. Ouais, balèze. Et Hop. puis, j'ai l'impression qu'il a laissé des espaces suffisants pour les gens qui veulent utiliser des ouvriers. Et ça a l'air assez bien construit. Là, il y a la vente d'œufs. Dans le pire des cas, c'est des arbres coupables. Donc s'il y en a un ou deux qui gênent. Et à mon avis, là, c'est un truc pour vendre. Pour vendre. C'est une balance, ça. C'est une balance, ça? Ouais, c'est des balances. Ah ouais. Ouais, regarde, il y a un pot à côté. Ouais, on fait quand même 22 tonnes à deux, quoi. Ah bah, et mes pneus sont gonflés, hein. Allô? ouais, donc. Ah, Oups, ça, pardon, c'était. Bah, excusez-moi. il n'y a pas de trigger de vente, du coup, là. Et dans le Bah, bâtiment, ça s'ouvre pas, ça? non, j'ai regardé. À moins que celui-là est sous, je vais pas essayer celui-là. Non, Non. y a rien qui s'ouvre. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, on peut récupérer des graines. Je sais pas. Vous avez mis une balance et y a rien. Je Ouais. sais pas ce que c'est. Bon. Hop. Il y a des subtilités, hein, peut-être. Tac, Alors tac, on va par tac. là. On continue. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. hop, hop. Hein. Hey, c'est vrai qu'il tient bien le pavé, le machin. Ouais, carrément. Ah! Il Par tient contre, bien il le a du pavé, mais il mal freine pas à. beaucoup. Il a du mal à ralentir. Là. là, ça, c'est encore une autre chaufferie, là. Bah, alors là, je vois un truc là de chaufferie, mais ici on a aussi de la paille et de l'herbe. Alors c'est peut-être une zone de vente. C'est possible, ouais.
Certainement une zone de vente de paille, d'herbe et de copeaux. Il y a un téléphone, mais on peut pas téléphoner. Bah, moi je Donc, dirais que c'est plutôt une chaufferie ou un truc comme ça, parce que tu vois ouais, les ça y cheminées. est... ouais, ça y ressemble. Ouais. Donc l'autre truc là-bas, ça devait être encore autre chose. Ça devait pas être une chaufferie, ce qu'on a Non, regardé avant. mais c'était peut-être une fabrique de papier ou un truc comme ça. Peut-être, ouais. Ouais, ça pourrait être... Avec les copeaux. Ça pourrait être ça. Hop, on continue. Hop là. Là, à droite, on n'a pas le... Si, à droite, on a le garage, là. Oui, à droite, il y a le garage. Et un lampadaire. Donc vous aurez vu C'est qu'il y ça. a beaucoup de choses physiques sur la map. Quand même, ouais. Ah, ici, c'est Donc ça, c'est le garage où on récupère les véhicules. Ah, ici, on les vend. Et là-bas derrière, hop, on va aller voir. On les vend. Exact. Ah, j'ai un petit garage. Ouais, il est sympa. Il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Ouais. Ça Il y a de la dépend place. où ils font pop les véhicules. Parce que c'est vrai qu'il y a des garages, des fois, c'est pas simple quand on récupère Non. une moisson avec une barre de coupe. Ou une On benne galère, quoi. où t'as la tâche qui est contre le mur. Ouais, c'est ça. Les moissons, quand il faut porter les grandes coupes sur la remorque pour les transporter et puis que t'as pas la place. Pas tip top. Hop, donc là on est dans le petit village. Là c'est quoi à droite, ce grand bâtiment? Je sais pas, on dirait un point de vente, mais un point de vente de quoi? Ouais, il y a un trigger là et il y en a un de l'autre côté, je crois. Ici. Et exactement le même. Mais après, Ouais. qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Puis y a rien de marqué, y a rien de. Non. Bah si, il y a un truc de marqué là-bas sur le panneau, Ouais, mais mais je pense que c'est plutôt un truc. c'est pratiquement incompréhensible, donc c'est un peu le problème hein, quand on parle pas toutes les langues couramment. Là, ouais, il y a un truc là sur le panneau, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, non, mais j'ai. T'as plus l'impression que c'est un truc, tu sais, comme on voit de temps en temps, ici bientôt, un complexe machin. On repart dans quel sens là? Tout droit par Dans là? l'autre sens, dans ma marche arrière. Ouais. Ouais, c'est ça, par là. Ouais, c'est Hop. quoi? Il y a un arrêt de bus, ça c'est bien. Une map avec un arrêt de bus, ça c'est pratique. Donc là, on est dans le petit village, hein, un petit village tranquille. Après, j'ai pas pensé à activer la circulation, mais ça se trouve, il y a de la circulation aussi. Ah bah, il y a certainement de la circulation. Il y a des piétons déjà. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à l'activer. Station-service à droite? Ah bah tu vois, il y a le même panneau ici. On vient de passer devant le même panneau là. Ouais, moi je te dis, c'est plutôt Donc des ouais, trucs, c'est pas... tel genre lotissement ici, des maisons. Donc petite station essence. Ah, il y a même un truc de lavage en construction. Pas mal ça. Ah ouais, bah il y avait une maison aussi en construction. Ouais, mais alors, Ah bah il y ouais. a un Karcher ici. Ici on a un Karcher, est-ce qu'il est fonctionnel? Tac, tac, tac. C'est F. Non, c'est pas F, R. c'est R. Ouais. Ouais, il fonctionne, Tiens, ça prends ça dans marche. ta gueule. Ah non, mais je m'en vais, hein, si c'est comme ça. Mais ça se trouve, il fonctionne le lavage? Non. Non, bah non, parce qu'il est... Non, bah non, ils ont mis du matos devant chaque machin. Pour l'instant, futur lavage, mais pour l'instant, il va falloir utiliser les bras. La jardinerie en face. Ah, la jardinerie, ouais. Hop, on coupe à travers les arbres. Hop, c'est pas bien, mais... On est des ouf. Ouais, Donc jardinerie, vente pareil de avec l'achat frais. des graines et du fertilisant, Ah, puis il y a les même arbres. les ventes de barbecue. Ah oui, vente de barbecue, et ça, c'est très intéressant. Hop, c'est quoi ce bâtiment-là? Non, c'est rien de spécial. Et ici, peut-être la chaux ou... C'est rien Il y a de de la chaux spécial. sur cette map, d'ailleurs. Il y a la chaux. On va regarder quand même, on va leur faire voir un petit coup vite fait. Bah, il y a la chaux, mais on n'a pas mis le... Nous, on n'a pas Ah mis le oui, il n'y a mode pas pour la le mode, ouais. présentation. Mais c'est sûr, il y a la chaux. Avec la map, il y a la chaux. Il y a la chaux, oui. Ouais, il y a le Google Calque, je sais pas quoi, donc il y a la chaux. Hop, allez, on repart. Oula, une petite bosse. Il saute. Ça sentait la cascade. Hop.
Hop, donc encore des champs, des grands champs. Ah, il est quand même allé pousser le vis à mettre un caillou au milieu du champ. Oh, pardon. Ah. Tu étais mon caillou. Mais est-il physique ce caillou? Ben, va voir. Ah non, c'est pas un caillou, c'est une buse. Ah, c'est une buse, puis elle est transparente. Ouais, c'est une espèce de buse. Donc oui, sur cette map, vous avez des buses pour récupérer l'eau, en fait. Ah, il y a une animation, d'après ce qu'on a vu sur certaines images, il y a une animation avec le tuyau qui descend voilà. Dans la buse, qui permet de recharger. Donc, un petit pont. Ouais. Et là, on arrive à un point de vente. Hop, hop, hop. Tac. Allez, braque. 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 Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça grimpe. Hop là. Encore une balance. Il y a encore une balance. Avec le truc pour faire partir le train, première vue. Je vois qu'il y a le train qui est en dessous. Ouais, et t'as vu, il y a un point de. De TP. Ouais, bah on va voir. Hop. Ah, on se retrouve sur un pont. Ah, ah à mon avis, c'est quand t'envoies le train. C'est pour venir voir le train qui passe. Le train qui passe, d'accord. Bon, hop. On va TP dans le hop. Véhicule. Hop, 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 hop. Il ouais, y a 15 véhicules à passer avant de trouver l'autre, mais bon. Ouais. Donc là, pour la vente de copeaux de bois, en fait. Bah je sais pas, il y a des des betteraves dans la remorque. Mais elles sont marrantes ces balances parce qu'en même temps, elles ressemblent un peu à des grilles. Bah c'est ce que je me posais comme question. Alors est-ce que ces balances seraient pas des... Des points de vente. Des déchargements, ouais. Et qui rempliraient directement les wagons. Peut-être. Parce qu'à chaque fois, t'as un... Ouais. T'as une benne... C'est vrai que ça ressemble un peu à des grilles. Et là, en face, on a un tac. Truc... Hop. Ah, et là, ça ressemble à une scierie de loin. Ouais, mais donc c'est quoi hop, R. Non, bah c'est un champ en fait. Ah d'accord. Ouais, mais peut-être qu'ils les ont déterminés en champ, ouais. Mais ça reste quand même une scierie, ça se voit bien. Ouais. Hop. Et donc là, tac. On a un autre truc pour envoyer le train. Ouais. Ah, c'est ça, faire partir le train. Ouais, donc là, tu mettais trop. Ouais, c'est ça. Et... Et j'entends siffler le train. Et par là, on fait les plans planches. Hop là, okay. Donc là, il y a une scierie. Et l'autre scierie qui est là, ouais. Et là, celle-là, c'est la scierie fonctionnelle. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Bah déjà, d'une part, vous avez les trucs là notés. Mais surtout, vous voyez, dans le F1, ça vous met le fuel, les logs, le copeau de bois, la board. Alors, petite info, le fuel, c'est pas le fuel. En fait, c'est qu'il faut l'alimenter en copeaux. Ouais. Pour qu'elle puisse fonctionner. Nous, on a bataillé pendant une demi-journée pour essayer de la faire fonctionner. Enfin, sur une autre map. Et, hein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal sur celle-là. C'est que la zone bleue, là, sur laquelle je marche, ça permet de faire défiler les palettes. Donc, au lieu voilà. De devoir rester là... À décharger palette par palette. Parce que si on décharge pas la palette, et ben l'usine n'avance plus. Et ben là, au moins, on a un petit peu d'avance. Voilà, ça permet de stocker 5-6 palettes. Ouais, je pense 5-6 palettes. Et du coup, on peut aller vaquer à d'autres occupations. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu plus loin, là, derrière? Ah ouais, donc là, c'est la zone pour mettre le mouillage, les rondins, le mouillage. Les rondins dans la flotte. Ok. Ouais. Bon, bah elle est pas mal, cette petite... La série est pas mal. Elle est pas mal. Ah. D'accord, il y a un autre train qui passe par là. On entend et il y a encore du stockage de véhicules. Ouais. Ah non, c'est pas mal. Allez, on retourne à nos 4x4. Le premier arrivé à gagner. On va pas besoin de te la péter, de te le faire en moulouk. Hein. Hop, trop tard, c'est doublé. Nif, nif. Ah, il y a même un treuil devant. Ouais. Pas mal modé, mais un treuil. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir les ben... poutons. Allez, les poutons. Les poutons, on n'a pas vu. Ils sont où les poutons? Les poutons. Alors attends, si je dis pas de bêtises. Faut reprendre la route. Hop. Dis pas de bêtises.
Hop. C'est ça que t'appelles reprendre la route? Allez, je suis plus au plancher. Il fallait tourner là. Oh là Oui. là là là. Oh là 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 là. Hop. Mais quel drame. J'avais mis mon clignotant. Bon, il n'est pas fonctionnel, mais j'avais mis mon clignotant. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre de voiture, ils ont pas mis de toit exprès pour que tu tendes le bras comme quand t'es en vélo. Voilà, c'est le saut. Là. Ouh. Oh bah. Dommage que ce soit pas passé en vidéo ce truc-là, il était magnifique. Je l'ai fait moi, le saut. Attends, Sur la bosse. J'en refais un autre là. Ah. T'as de la chance. Elle était pas finie. Bon, c'est par là les boutons? Ah bah oui, ils sont juste là devant. Attention, nif nif. C'est eux là? Hop, 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 hop. D'accord. Ok, donc on est arrivé au bouton. C'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est les boutons. Les boutons. Alors pareil, la subtilité des moutons, c'est qu'on a également ces plaques bleues. Ouais, c'est des. Qui permettent aux moutons de fabriquer. Au final, quand toutes les plaques sont pleines, vous pouvez venir avec un plateau et directement remplir votre plateau, quoi. Évite d'avoir un plateau qui dort là. Voilà, ouais. Ça, c'est plutôt pratique. Puis de venir décharger à chaque fois qu'il y a une palette voilà. qui est faite. Quand on vient pour en faire, pour ramasser les palettes, on a tout de suite plusieurs et c'est plus rentable quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation de la map. Voilà. Tu vas nous rappeler le magnifique nom. Alors, on va faire un petit coup de échappe. C'est Angelner Map. Voilà, très belle map. Hop. On va retourner jusqu'à la ferme quand même pour terminer pour la vidéo. Pour le fini. Hop. Ah donc ah, ça c'est un caillou. Ah ah, oula, j'y vais. J'y vais pas. Ok, allez. Donc c'est présentation de petite map. Enfin, notre première présentation de petite map. Vous en aurez d'autres au fur et à mesure. On essaiera de vous en faire dès qu'on voit des petites maps sympathiques comme ça qui sort. Donc sur ce, on vous dit bah, à bientôt et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne. Salutations! Allez, salut. Je vois de la forêt là-bas dans le fond. Il y a peut-être un peu de forêt, ouais. Bah, vu qu'il y a une usine. Ils ont l'air d'en avoir mis tout autour en fait, déjà pour cacher le. Pour cacher un petit peu les extérieurs, ouais. Ouais le décor, donc ouais. Là, on avait dit, il me semble, un mur. Décidément. Si tu comptabilises tous les murs, ça c'est de la présentation de map. Alors, ici, on a un mur et là, on a un autre mur. Non, là, c'est la vente de lait, je pense. Parce que vu que ça s'appelle Milch. Ah, tu crois que c'est la vente de lait? Ouais, ah, je pense, ouais. Ça a l'air de venir chercher automatiquement, non? Bah, peut-être. Après, je vois pas de trigger par terre, donc. Ouais, c'est ça, ça vient chercher automatiquement. Mais je pense qu'ils ont juste mis l'usine pour. Ah, j'ai cru qu'il y avait un passage, ils ont mis une barrière. Les ils se sont dit, Pascal va passer par là. La barrière qui pue. Je vois pas de trigger, donc à mon avis, je pense ouais, ça doit être automatique. Non, même au niveau de la ferme, il n'y avait pas de, il n'y avait pas l'air d'y avoir de. Là, de maintenant, ça c'est une barrière. Voilà, c'est un petit mur. Et ça c'est un mur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il braque rien, ce machin. Moi, je sais pas, j'ai pas de soucis avec. On va prendre par là. Hop là. Au volant qui braque rien. Donc encore une petite mare. Ah stop. Hop là. Non, c'est pas n'importe quelle petite mare. Il dit stop et il file tout droit. Ouais, c'est pas n'importe quelle petite mare. C'est une mare avec un pêcheur et un canard. Hop là. Et ça compte. Ah oui. Quand même. Le pêcheur et le canard. Ah, il y a même des poissons. Il y a des poissons? Il y a des poissons. Ils sont où les poissons? Bah, ils sont ah, au oui, lac. Et puis ils sont en déplacement en plus. Ah, je te cherchais.
C'est pas n'importe quel poisson? Non, des gros poissons. Mais il y a d'autres canards par là. Il y a un gros Ça poisson. donne envie de piquer une tête. Ah ouais. Tu nages un peu comme une pierre. Un peu. Bah, j'ai beaucoup mangé. Oui, bon. C'est lequel le mien? Hop. Bon. D'accord, c'était celui-là alors. Je sais plus, bon, non. Ils se ressemblent tellement. C'est quoi ça à gauche là? À gauche, quoi. Ah d'accord, donc ouais non bah c'est le bâtiment bleu mais Alors là, c'est le BGA qui t'a acheté. donc on peut Hein. pas rentrer dedans et Donc, il y a qu'on 1 n'est pas propriétaire. 165 000. Attends, je vais arrêter mon véhicule. Ça va vite trop de nous péter les oreilles. Ah, pourquoi je peux pas l'arrêter? Normal. Non, Hop. c'est le mien qui est en route. Moi Donc j'avais là, on déjà arrive fait. dans le BGA. Donc là, bah, vous avez la balance, hein, classique. Hop. Allez, combien je pèse? Ah, je pèse pas. Non, il prend pas ton petit poids en compte. Donc là, vous avez du stockage de véhicules. La petite citerne à essence. Vous avez 1, 2, 3, 4, 4 silos. Ouais, ils sont bien faits avec l'herbe au milieu comme ça. Ouais, c'est sympa. C'est sympathique. Ah, puis c'est sympa les bunkers de déchargement, t'as vu? Ils sont. Ouais. Ça fait qu'on Oula. peut faire Ouais, ils des. sont tellement bas que je suis rentré dedans. On peut venir avec une remorque et directement baigner dedans. On peut Donc ça vite c'est cool. directement baigner dedans, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça c'est plutôt cool. C'est assez grand, hein. Bon, c'est du classique, hein. Ouais, Voilà. c'est un silo de BGA quoi. Enfin, ils ont l'air d'être assez massifs quand même. Hop, hop, hop. Là, on récupère le Le lisier. lisier. Ouais. Du BGA quoi. Non, pas. Petit BGA sympathique. Ah, puis c'est cool de devoir l'acheter. Bah, ça donne des objectifs, quoi. Ah, le bip bip au reculage. Hop, ça c'est un caillou. Ah, là, il y a l'air d'y avoir un truc aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Un arbre. Ouais, on va après les murs, mais fais-nous les arbres. C'est quoi ça ici? Truc de vente. Ah, patate ou betterave, ouais, c'est ça. ouais, c'est possible. Ça va être un truc de vente. Ou un stockage personnel, peut-être. Non, je penserais plutôt à un truc de vente. En même temps, on n'a pas vu de stockage personnel de patates et de betteraves à la ferme. Non. Non, mais là, ça ressemble bien à la patate. Ouais, en même temps, il y a une balance ici. Donc, je pense que c'est plutôt un truc de vente. Ouais, ça va être un truc de vente. Bon. Une pataterie Champignons. ou. Hop. Ensuite. Alors, attends, voir. Ensuite. Alors, soit pendant qu'on est là, on va tout de suite. Hop, allez, on repart. Oula, une petite bosse. Issou, ça sentait la cascade. Hop, Hop, donc alors encore là. des champs, des grands champs. Hein. Ah, il est quand même allé pousser le vice à mettre un caillou au milieu du champ. Oh, pardon. Ah. Tu étais mon caillou. Mais est-il physique ce caillou? Ben, va voir. Ah non, c'est pas un caillou, c'est une buse. Ah, c'est une buse, puis elle est transparente. Ouais, c'est une espèce de buse. Donc oui, sur cette map, vous avez des buses pour récupérer l'eau en fait. Ah, il y a une animation, d'après ce qu'on a vu sur certaines images, il y a une animation avec le tuyau qui descend Voilà. dans la buse qui permet de recharger. Donc, Un petit pont. ouais. Et là, on arrive à un point de vente. Hop, hop, hop. Tac. Allez, braque. 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 Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça grimpe. Hop là. Encore une balance. Il y a encore une balance avec le truc pour faire partir le train, première vue. Je vois qu'il y a le Ah, train qui est en dessous. ouais, et t'as vu, il y a un point de TP. Ouais, bah on va voir. Hop. Ah, on se retrouve sur un pont. Ah. Ah, à mon avis, c'est quand t'envoies le train. C'est pour venir voir le train qui passe. Qui passe, d'accord. Bon, on va retaper dans le Hop, hop, véhicule. hop, 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 Il y hop. avait 15 véhicules à passer avant de trouver le Tac. nôtre, mais bon. Ouais, donc là, pour la vente de copeaux de bois en fait.
Bah je sais pas, il y a des betteraves dans la remorque. Mais elles sont marrantes ces balances parce qu'en même temps, elles ressemblent un peu à des grilles. Bah c'est ce que je me posais comme question, ouais. Alors est-ce que ces balances seraient pas Des points de vente. des déchargements, ouais, et qui rempliraient directement les wagons, Parce peut-être. qu'à chaque fois, Ouais. t'as une benne. C'est vrai que ça ressemble un peu à des grilles. Et là, Oh. en face, on a un Tac. truc. Hop. Ah, Et là, truc payant, ça quoi. ressemble à une scierie de loin. Ouais, mais Donc qui c'est serait à quoi? acheter. Hop. R. Non, bah c'est un champ en fait. Ah d'accord. Ouais, mais peut-être qu'ils les ont déterminés en champ, mais Ouais. ça reste quand même une scierie, ça se voit bien. Et donc là, on Tac. a un autre truc pour envoyer le train. Ouais, c'est ça, faire partir le train. Ouais, donc là, tu m'étais trop. Ouais, c'est ça. Et Et j'entends siffler le train. par là, on fait les plans planches. Hop Ok. là, donc là, il y a une scierie. Et l'autre scierie qui est là, ouais. Et là, celle-là, c'est la scierie fonctionnelle. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Bah déjà, d'une part, vous avez les trucs là notés. Mais surtout, vous voyez, dans le F1, ça vous met le fuel. Les logs, le copeau de bois et la board. Alors, petite info, le fuel, c'est pas le fuel. En fait, c'est qu'il faut l'alimenter en copeaux Ouais, pour faut lui qu'elle mettre puisse des fonctionner. copeaux. Nous, on a bataillé pendant une demi-journée pour essayer de la faire fonctionner. Enfin, sur une autre map, hein. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal sur celle-là. C'est que la zone bleue, là, sur laquelle je marche, ça permet de faire défiler les palettes. Donc au lieu de Voilà. devoir rester là à attendre À que la décharger palette palette par sorte, palette. parce que si on décharge pas la palette, et ben l'usine n'avance plus, et ben là au moins on a un petit peu d'avance. Voilà, Elle est ça permet capable de de nous stocker fabriquer, 5-6 palettes. ouais, je pense 5-6 palettes. Et du coup, on peut aller vaquer à d'autres occupations, quoi. Et Voilà. qu'est-ce qu'on a un petit peu plus loin là derrière? Ah ouais, donc là c'est la zone pour mettre C'est le mouillage. les rondins dans la flotte. Ok. Bon, bah elle est pas mal cette petite. La série est pas mal. Elle est pas mal. D'accord, il y a un autre train qui passe par là. On entend les Et il y a bruits encore du de. stockage de véhicules. Ouais. Ah non, c'est pas mal. Allez, on retourne à nos 4x4. Le premier arrivé à gagner. On va pas besoin de te la péter, de te le faire en moulouk. Hein. Hop, trop tard, t'es doublé. Nif, nif. Ah, il y a même un treuil devant. Ouais. Très mal modé, mais un treuil. Hop. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste là? Là, ça c'est encore une autre chaufferie là. Bah, alors là, je vois un truc là de chaufferie, mais ici on a aussi de la paille et de l'herbe. Alors, c'est peut-être une zone de vente. C'est possible, ouais. Certainement une zone de vente de paille, d'herbe et de copeaux. Il y a un téléphone, mais on peut pas téléphoner. Bah moi je dirais c'est plutôt une chaufferie ou un truc comme ça, parce que tu vois Bah, les cheminées. ouais, ça y ressemble. Ouais. Donc, l'autre truc là-bas, ça devait être encore autre chose. Ça devait pas être une chaufferie, ce qu'on a Non, regardé avant. mais c'était peut-être une fabrique de papier ou un truc comme ça. Peut-être, ouais. Ouais, ça pourrait être. Avec les copeaux. Ça pourrait être ça. Hop, on continue. Hop là. Là, à droite, on n'a pas le. Si, à droite, on a le garage, là. Oui, à droite, il y a le garage. Et un lampadaire. Donc vous Ouais, avez vu c'est qu'il ça. y a beaucoup de choses physiques sur la map. Quand même. Ah, ici c'est Donc ça, c'est le le. garage où on récupère les véhicules. Ah, ici on les vend. Et là-bas derrière, hop, on va les voir. On les vend. Exact. Ah, j'ai le petit garage. Ouais, il est sympa. Il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Ouais, Ça il y a de la dépend place. où ils font pop les véhicules, parce que c'est vrai qu'il y a des garages, des fois c'est pas simple quand on récupère Non. une moisson avec une barre de coupe, Ou une on benne galère quoi. où t'as la tâche qui est contre le mur. Ouais, c'est ça. Les moissons, quand il faut porter les grandes coupes sur la remorque pour les transporter et puis que t'as pas la place, pas tip top. Hop, donc là on est dans le petit village. Là c'est quoi à droite, ce grand bâtiment?
Je sais pas, on dirait un point de vente, mais un point de vente de quoi? Ouais, il y a un trigger là et il y en a un de l'autre côté, je crois. Ici. Exactement le même. Mais après, Ouais. qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Il n'y a rien de marqué, il n'y a rien de... Non. Bah si, il y a un truc de marqué là-bas sur le panneau, Ouais, mais mais je pense que c'est plutôt un truc... c'est pratiquement incompréhensible, donc c'est un peu le problème hein, quand on parle pas toutes les langues couramment. Là, ouais, il y a un truc là sur le panneau, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, non, mais j'ai... T'as plus l'impression que c'est un truc, tu sais, comme on voit de temps en temps, ici bientôt, un complexe machin. On repart dans quel sens là? Tout droit Dans par l'autre là? sens, dans ma marche arrière. Ouais. Ouais, c'est ça, par là. Ouais, je sais Hop. pas. Il y a un arrêt de bus, ça c'est bien. Une map avec un arrêt de bus, ça c'est pratique. Donc là, on est dans le petit village, hein, un petit village tranquille. Au Après, j'ai fond. pas pensé à activer la circulation, mais ça se trouve, il y a de la circulation aussi. Ah bah il y a certainement de la circulation. Il y a des piétons déjà. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à l'activer. Station service à droite? Ah bah tu vois, il y a Petite... le même panneau ici. On vient de passer devant le même panneau là. Ouais, moi je te dis, c'est plutôt Donc des ouais, trucs, je vois. tu sais, genre lotissement ici, des maisons. Donc petite station essence. Ah, il y a même un truc de lavage en construction. Pas mal ça. Ah ouais, bah il y avait une maison aussi en construction. Ouais, mais alors, Ah bah il ouais. y a un Karcher ici. Ici on a un Karcher, est-ce qu'il est fonctionnel? Tac, tac, tac. C'est F. Non, c'est pas F, R. c'est R. Ouais. Ah il est fonctionnel, Tiens, c'est prends ça bon. dans ta gueule. Ah non, mais je m'en vais, hein, si c'est comme ça. Mais ça se trouve, il fonctionne le lavage? non. Non, bah non, puisqu'il est... Non, bah non, ils ont mis du matos devant chaque machin. Pour l'instant, futur lavage, mais pour l'instant, il va falloir utiliser les bras. La jardinerie en face. Ah, la jardinerie, ouais. Hop, on coupe à travers les arbres. Hop, c'est pas bien, mais... On est des ouf. Ouais, Donc jardinerie, vente pareil, de avec l'achat frais. des graines et du fertilisant, Ah, puis il y a les même arbres... les ventes de barbecue. Ah oui, vente de barbecue, et ça, c'est très intéressant. Hop, c'est quoi ce bâtiment-là? Non, c'est rien de spécial. Et ici, peut-être la chaux ou... C'est rien Il y a de de la chaux spécial. sur cette map, d'ailleurs. Il y a la chaux. On va regarder quand même, on va leur faire voir un petit coup vite Bah, il y a fait. la chaux, mais on n'a pas mis le... Nous, on n'a pas Ah mis oui, le il n'y a mode pas pour la le mode, ouais. présentation. Mais c'est sûr, il y a la chaux. Avec la map, il y a la chaux. Il y a la chaud, oui. Ouais, il y a le Google Calque, je sais pas quoi, donc il y a la chaux. Bonjour à tous et bienvenue, c'est les fermiers du dimanche. Aujourd'hui, on vous fait une petite présentation de map. Je suis en compagnie de Pacalito. Salut tout le monde. Donc, on va vous présenter la map Angelner Map, pardon. Donc, eh ben, on va vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va monter dans nos petits véhicules. Un petit véhicule, ouais, Dans nos petits effectivement. véhicules. Ouais. Hop. Donc là, on démarre, on est sur le corps de ferme. Très beau corps de ferme avec un petit étang au milieu. Pour commencer la partie, vous avez deux moissonneuses, trois ou quatre tracteurs, quelques bennes. Deux tracteurs, je crois, Non, non, il y non? en a un peu plus, j'en ai vu plus tout à l'heure. Ah, d'accord. Ah, bah, je m'en souviens plus. Voilà, donc là, vous avez les poules. Là, Ouais. vous avez le gros silo avec la récupération au milieu. Et Ah, puis surtout le... Oui. t'as vu là derrière, il y a une mare et avec une petite descente sympa qui permet de récupérer la flotte. Ouais, pour récupérer l'eau Ouais. avec une benne. Donc là, ouais, j'étais parti. Donc là, c'est le silo avec la récupération et surtout l'affichage. Hop là. L'affichage de vos stocks. Hop, on va prendre à droite là. Tac. Donc là, vous avez encore du stockage de véhicules à droite. Vous avez deux silos d'ensilage. Hop là. Oula. Ça braque rien ces engins.
Toi, il y a encore un tracteur là. Ah, je les avais pas vus. Des silos encore. Ah, t'as même une qui est en sileuse. Ouais, des silos C'est pour les cool. grains. Ouais, après, est-ce qu'ils sont pas en rapport, les silos? Peut-être. Ah, peut-être. Ouais, peut-être qu'ils augmentent au fur et à mesure que t'en mets dans les... Là-dedans, vous avez une stabule avec la machine à paille, la broyeuse à paille. Donc la Elle a l'air stabule. durable en plus. Je pense pas. Je sais pas. C'est vrai? Bah peut-être. Je sais pas parce Ah, que vu qu'il y c'est a cool. le tapis qui est à droite, Ouais, je ça sais sort pas. sur automatique. Bon. Bon bah là il y a La la bassine cuve à à eau. eau. Et ici vous avez, hop là, si j'arrive à prendre la porte, Les petits tapis roulants pour récupérer le fumier, ouais, le c'est pas mal. fumier. Et là vous avez, ah tiens, un mur, Attends, bah je un vais mettre mur et un derrière. Pascal derrière. Ouais. C'est la stabule des veaux. Non, tu peux dire la stapule. La La stapule, ça passe bien. stapule. La stapule des veaux. Là, il y a la machine de traite des vaches. Donc là, ça a l'air d'être de la vente automatique, vu comment c'est Encore des combiné. stockages. On n'est pas passé là-bas derrière. Hop là. On a raté un truc. Ah, il est de l'autre côté. Hop là. Bon, on coupe à travers. Hein. On peut, on a des Hop. tout-terrains. Et là, vous avez cochons. Les cochons. Ouais, là-bas c'était les veaux et là c'est les cochons. Ou les cochons, ça dépend, suivant ce que vous prenez. Ouais. Et puis là, il y a les graines aussi. Oui, il y a le stockage Et... de. Enfin, le stockage. Pour le pulvée, pour Ah! Bah les graines et le Les pulvée, ouais. semoirs. Et puis Voilà. là, remplir les embrassements. Ouais. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous mets juste un petit coup la map pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quand même une grande map, hein. Il y a une vingtaine de champs, une vingtaine de grands champs. Hop, donc on va aller faire le tour de la map. Allez, c'est parti. Hop. Ah Ah mais c'est que ça pousse ces petits engins. ouais, je suis à 125. Ouais pareil. Par contre tu te demandes si tu vas t'arrêter quand même. Ça braque pas beaucoup non plus. Ah puis ouais alors tous les champs s'achètent avec des espèces de petits panneaux de propriété qui sont en façade. Ouais, hop, je vais vous montrer vite fait. Tac. Un petit panneau. Voilà. Quand on fait R, tac, ça nous permet d'acheter. Allez, 83 000. Bon vu la taille du champ ça Hop. va. Tac. C'est reparti. C'est pas excessif, sauf que Non, c'est regarde, le pas champ est excessif, non. balèze quand Ouais, même le quoi. champ est balèze. Hop, voir au milieu de la map. Allez, hop, on va prendre un petit peu des chemins de terre aussi en même temps. Oh, sympa ce petit chemin. On t'attaque, hein? 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 T'essayes de me semer? Ah! Et ça, par contre, ça ressemble à une scierie, ça. Non? Donc il y a du bois un peu partout. Bah ça y ressemble, ouais. Une balance aussi. Ah non, là, ici, encore des patates et des betteraves. Ah. Ouais, patates et betteraves. Donc il y en a peut-être un des deux qui serait un stock alors finalement. Bah, peut-être, ouais. Ce qui est marrant, c'est que ouais, il y a un truc de fertilisant. Bon, c'est peut-être à nous ça. C'est possible. Il y a juste des silos. Ouais, c'est peut-être à nous ça. Peut-être. Hop. À voir. Tac. Alors attends, je remets un petit coup la map. On va refiler par là. Hop. Dur 125 dans le chemin de terre, ça bouge pas. C'est assez stable, je trouve. Hop, hop. Alors ça, c'est pas dans la map. Hein. Le Buggy Jeep, c'est un truc qu'on a été chercher pour cette petite Ah ouais, le Jeep présentation. là, oui, c'est un petit mode qu'on a mis en plus. De toute façon, on vous mettra tous les liens des modes dans la description de la vidéo. Là, il y a un truc de vente de copeaux, ça ressemble bien à une chaufferie. Ouais.
Et là, il y a un autre trigger ici. Ça serait bien pour les palettes de bois, je pense. Par là. En même temps, si c'est des palettes, faut venir les ramener ici. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ça peut être du bois, ça peut être ouais, ça peut être tout là. Mais bon, le truc s'appelle planche machin, je sais pas quoi. Ah ouais. Ou wool fabrique, donc je pense que ça doit être un truc comme ça. Hop là. Ça c'est impeccable. Ça c'était un bruit de volant, visiblement. Oui. Ou alors une braguette. Non, Alors, non, un truc dans c'est un volant. le. Ça peut faire une imitation de braguette. Ça peut. Alors, Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? là on a, je crois, l'abattoir, si je dis pas de bêtises. Et Ouais, là, c'est du ça. coup. Et les petits cochons et les petits veaux. Eh bien, les petits cochons! Eh bien, les petits cochons! Ah, ils sont mignons, ils vont bientôt crever, mais ils sont mignons. Ouais, bah ouais, un beau saucisson. Ouais, faut passer par là. ça, c'est un arbre. Ça, c'est une barrière. Hop, là, on va filer à droite. Donc des grands champs quand même, hein. Ouais, balèze. Et Hop. puis, j'ai l'impression qu'il a laissé des espaces suffisants pour les gens qui veulent utiliser des ouvriers. Et ça a l'air assez bien construit. Là, il y a la vente d'œufs. Dans le pire des cas, c'est des arbres coupables, donc s'il y en a un ou deux qui gênent. Et à mon avis, là, c'est un truc pour vendre, pour vendre. C'est une balance, ça. C'est une balance, ça? Ouais, c'est des balances. Ah ouais. Ouais, regarde, il y a un pot à côté. Ouais, on fait quand même 22 tonnes à deux, quoi. Ah bah ouais, mes pneus sont gonflés, hein. Allô? ouais, donc... Ah, ça, Pardon, c'est un... excuse-moi. Bah, il n'y a pas de trigger de vente, du coup, là. Et dans le Bah bâtiment, ouais. ça s'ouvre pas, ça? Non, 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 j'ai regardé. À moins que celui-là est sous, j'ai pas essayé celui-là. Mais. Non, non, Non. y a rien qui s'ouvre. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, on peut récupérer des graines. Je sais pas. Vous avez une balance et y a rien. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Hop. Bah, y a des subtilités, hein, peut-être. Tac, Alors, tac, on va par tac. là. On continue. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hey, c'est vrai qu'il tient bien le pavé, le machin. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, mais Il par tient contre, bien le pavé, mais il freine pas beaucoup. il a du mal à ralentir.